maintenant nous allons prier Dieu bien-aimé. Songeons comme nous venons de mourir, de nous faire des prières et des proclamations pour cette année 2012. Car cette année, bien-aimé, tu as besoin de Dieu pour entrer dans cette année nouvelle. Tu as besoin de Dieu pour protéger ta famille. Tu as besoin de Dieu pour garder ta santé. Tu as besoin de Dieu pour tes projets. Car il a dit, les projets que j'ai formés sur vous sont des bonheurs et non des malheurs, afin de vous donner un avenir. Alléluia. Bien-aimé, tu as un avenir en cette année 2012. Tu as des projets en toi. Ces projets doivent s'accomplir. Alléluia, Hosanna. Tu vas commencer par dire ceci à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, que tu es bon pour moi, Seigneur. Que tu es bon pour moi. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es la lumière de ma vie. Oh Jésus de Nazareth, sois béni. Je veux que chacun d'entre nous reste concentré maintenant dans la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous venons de lire ta parole où tu as dit, Seigneur, tu es la porte des brebis, oh Dieu. Celle qui entre par toi, oh, il sera sauvé. Seigneur, je veux que cette année 2012 soit une année de victoire, une année de salut, une année de bonheur, de bonne santé. Mais pour que cela soit le cas, je dois entrer par la porte des brebis qui est Jésus-Christ. Dans ta vie, que j'entre en l'an 2012 par la porte qui est Jésus-Christ et que toute autre porte soit fermée au nom de Jésus-Christ. À toi de le déclarer maintenant, dis j'entre par la porte qui est Jésus. Toute autre porte, la porte des échecs, la porte des difficultés, la porte des maladies, toutes ces portes-là doivent être fermées et que la porte qui est Jésus s'ouvre devant moi au nom de Jésus. Prions l'Éternel maintenant. C'est une année de mariage et non de divorce. C'est pas une année où
tu vas rester dans le célibat. Non, tu dois quitter le célibat. C'est une année où, bien aimé, tu vas vivre ce que tu as toujours voulu. Avec Dieu. Nous allons déclarer, nous allons fermer toutes les portes des divorces. Tu vas fermer la porte des divorces en cette année 2012. Et tu vas ouvrir la porte du mariage. Et la porte du mariage, même loin de nous les divorces en cette année 2012. Loin de nous l'esprit des célibats. Mais nous voulons un mariage. Nous voulons des mariages qui vont célébrer Dieu, qui vont glorifier Dieu. Tu vas les déclarer maintenant, déclare-les de ta bouche. Que l'année 2012, c'est la porte du mariage qui s'ouvre. Et que la porte des divorces est fermée au nom de Jésus-Christ en l'éternel. Alléluia. Avec l'élévation, je suis en 2012 avec la paix, je suis en 2012 avec le
será a vida de Deus em nós. Aleluia. Mais il avait vaincu. Il avait vaincu parce qu'il avait Dieu avec lui. Cette année, sache que tu seras combattu, mais jamais vaincu. Oh, tu dois le déclarer à Dieu. Le Seigneur, je sais que je serai combattu, mais je serai jamais vaincu. Jamais vaincu parce que mon Dieu, celui qui est dans mon corps est plus fort. Celui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais je déclare que tout est fini, Seigneur. Parce que c'est une année de tes filles. Je suis ton prophète. Le feu est descendu du ciel et le feu a consumé l'Holocauste. Oh, mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que cette année je serai combattu. Je sais que je serai attaqué. Mais Seigneur, jamais vaincu. Je déclare la victoire sur ma vie tout au long de cette année 2012. Je déclare la victoire sur la sorcellerie. Je déclare la victoire sur les maladies. Je déclare la victoire sur tout ce qui est du diable. Au nom de Jésus, prions l'Éternel, lève nos voix. Alléluia. Déclare la victoire dans ta vie. Déclare la victoire dans ta vie. Déclare la victoire dans ta vie. Déclare-le maintenant, c'est maintenant que tu vas déclarer cela. C'est maintenant que tu vas déclarer cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, alléluia. Oh, gloire à toi. Alléluia. Oh, Jésus, sois béni. Seigneur, nous déclarons la victoire. Alléluia. Déclarons la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Nos vies, nous serons la tête et non la queue. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, Jésus. Oh Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Rimana.
puisse se lever, s'il vous plaît. Éternel Dieu, regarde-nous, tous nous sommes devant, au-devant de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, si nous avons traversé cette année 2011 qui s'est achevée, c'est par ta grâce, c'est par ton amour et ta bonté. Personne d'entre nous ici, Seigneur, peut se dire qu'il a traversé cette année 2011 par sa propre force. C'est toi qui nous as donné la force. Alors que nous étions la cible de l'ennemi, Seigneur, toi tu nous as protégés. Alors que les sorciers de nos familles voulaient nous cribler comme du froment, Seigneur, toi tu nous as gardés. Alors que les gens dans ce monde, Seigneur, voulaient assez que nous tombions, que nous mourions, mais toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta main puissante a été sur nous. Alors que les gens se moquaient de nous, Seigneur, mais toi tu nous as accordé ta joie. Alléluia. Oh Jésus, quand nous regardons cette année qui s'est achevée, Seigneur, que des incidents malheureux, que des catastrophes, Seigneur. Oh Seigneur, il y en a qui ont péri dedans. Il y en a qui sont morts, Seigneur. Mais pourquoi tu m'as laissé en vie? Pourquoi tu as laissé mon frère et ma soeur qui ont séduit en vie? Nous ne le savons, Seigneur. Tout ce que nous savons, Seigneur, nous le savons que tu as un projet merveilleux pour nous. Voilà pourquoi tu nous as gardés en vie. Et voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, je déclare que nous rentrons en 2012 par la porte qui est Jésus-Christ au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, Père éternel, que toutes formes des manigances de l'ennemi sont nulles sans effet au nom de Jésus. Je déclare, mon Dieu, que toutes formes de l'aspect sorcellerie, Seigneur, toutes formes de sorcellerie, oh Dieu, qui oserait s'attaquer à moi, qui oserait s'attaquer à la cité du Dieu vivant, qui oserait s'attaquer à mon frère et ma soeur qui est au Seigneur, tout au long de cette année 2012. Oh, mais je déclare ces attaques nulles sans effet, au nom de Jésus, mon Dieu. Je viens briser, Seigneur, la flèche de l'ennemi. Je viens briser les attaques de l'ennemi. Seigneur, que tous les projets du diable soient consumés par ton feu, au nom de Jésus, mon Dieu. Car toi, tu es dans ta parole. Tu as des projets merveilleux pour nous. Les projets que j'ai formés sur vous sont des bonheurs et non des malheurs, afin de vous donner un avenir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que l'avenir de chacun d'entre nous prenne forme cette année 2012. Que ce que nous n'avons pas vu cette année qui s'est achevée, Seigneur, oh, mais que nous le voyons cette année 2012, au nom de Jésus de Nazareth. Mais ceux qui n'arrivent pas à marcher droit dans la vie chrétienne, ceux qui n'arrivent pas même à rester dans la vie chrétienne, laisse cette année 2012, car le 12 est ton chiffre, Seigneur. Le 12, oh, mais la Bible déclare que l'Église est bâtie sur les fondements des apôtres. Parce que les 12 apôtres, Seigneur, raison pour laquelle, sur le mont Carmel, oh Dieu Tout-Puissant, Élie a utilisé le chiffre 12. Il a mis 12 pierres. Ils ont jeté l'eau 12 fois. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse que, oh Dieu, cette année 2012 soit une année de stabilité chrétienne dans la vie des enfants. Mais ceux qui vivent, qui ont la vie chrétienne, un pied dedans, un pied dehors, Seigneur, je te prie de restaurer leur vie chrétienne. Je te prie de les reconstruire encore. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que si nous voulons te voir dans nos vies, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher, Seigneur, selon ta parole. Aide-nous, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes incapables de marcher selon ta parole. Mais laisse que ton Esprit Saint vienne nous soutenir. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Laisse que toute forme de maladie, Seigneur, Père éternel, qui a attaqué tes enfants en cette année 2011, oh, ne les conduise pas encore en cette année 2012. Que l'année 2012 soit une année de bonne santé. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare l'année 2012 une année de bonheur. Une année d'accomplissement. Une année, Seigneur mon Dieu, de... une année où le Père éternel, nous serons la tête dans la queue. Une année où l'Éternel, notre Dieu, se manifestera en nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, point de division en l'an 2012.
Oh Seigneur, point de divorce en l'an 2012. Oh Seigneur, même que nos enfants qui vont à l'école soient la tête et non la queue, Seigneur mon Dieu. Et que nous-mêmes au travail, nous serons la tête et non la queue, Seigneur mon Dieu. Que les enfants qui vont à l'école soient la tête et non la queue, Seigneur mon Dieu. Que nos couples soient des couples exemplaires au nom de Dieu. Que ceux qui ne sont pas encore mariés, oh Dieu, donne-leur des mariages dignes de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Et ceux qui n'arrivent pas à prendre des décisions dans leur vie, aide-les à prendre une décision, Seigneur. Car cette année 2012, c'est une année d'ouverture, oh Dieu. C'est une année d'accomplissement, Seigneur. Éternel, couvre-nous par ta grâce. Couvre-nous, Jésus. Je vous prie d'élever vos mains. Seigneur, laisse que ces mains qui sont levées au-devant de toi soient un signe de victoire tout au long de cette année 2012. Nous l'élèverons ainsi, Seigneur, parce que nous savons que la victoire est en nous, Seigneur. Et tu marches avec nous, oh Dieu. Mais nous avons tout laissé derrière nous, nous sommes venus, oh Père éternel. Il y en a qui sont allés danser dans les boîtes de nuit, Seigneur. Il y en a qui sont au jet de séjour, oh Dieu. Mais toi, tu nous as convaincus de venir dans ta maison. C'est pour nous faire du bien, Seigneur. Et Seigneur, je t'ai prié de nous faire du bien tout au long de cette année 2012. Mais laisse que ton peuple prenne des décisions qui leur conduira certainement vers toi, Jésus. Jésus, le diable peut tout faire, mais il ne vaincra jamais. Parce que toi, tu l'as vaincu au moment de ça. Et là, tu as dit tout est accompli, Seigneur. La victoire sur les maladies, la victoire sur les soucis, la victoire sur le problème, la victoire sur le divorce, la victoire sur toute forme d'attaque démoniaque. Mais tu as vaincu cela à la croix. Et aujourd'hui, nous marchons la tête haute. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est en nous, la Bible déclare qu'il ne change pas. Celui qui est en nous, la Bible déclare qu'il dit un mot et la chose s'accomplit. Mais ce qu'il a dit ce soir dans ta vie, tu le verras tout au long de l'année 2012. Ce qu'il a dit ce soir dans ta vie, tu le verras tout au long de l'année 2012. Tu verras que tu prospéreras. Aussi longtemps que tu resteras fidèle à lui, tu verras jamais dans ta vie. Aussi longtemps que tu resteras fidèle à lui, tu verras que tu iras de l'avant. Et cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous l'acclamons très fort. Et nous disons Amen.
Oh,
Y a los cabezas y mangos.